c'est parti. Bonjour. Bonjour. Comment t'appelles-tu? Alors, je m'appelle Michel Esragas, alias Slide le magicien. Ok, tu as un joli petit accent, d'où est-ce que tu viens? Je viens du sud de la France. C'est bien, d'où ça exactement? Je viens de l'Aude, du département. Très bien. Quel âge tu as, Michel? J'ai 12 ans et demi. 12 ans et demi. Et dans quelle catégorie est-ce que tu concours aujourd'hui? J'ai concouru dans la partie magie. Magie. Avec un numéro qui consiste en quoi? En fait, c'est une petite boule, hein, toute ouais. simple sur un petit guéridon. Ouais. Qui, je lui fais des petites passes magiques. Hein, et puis d'un seul coup, elle se met à léviter sous un foulard. Et c'est vachement... même moi, je vais vous dire un truc, je ne sais pas comment je fais. Très bien. Comment t'as entendu parler du festival Talent de scène? Alors, en fait, c'est tout bête. C'est que, en fait, avec ma mère, on s'amusait à chercher des concours de magie, hein, comme ça. Et puis, on est tombé sur un festival de magie, donc, qui est Talent de scène. Et vu qu'on a dit que c'était un tremplin pour les artistes, c'est un moyen de se faire un petit peu repérer, en fait. Donc, on a voulu s'inscrire. Mais on pensait que, vu que c'était un grand festival, c'était grandiose, j'aurais peut-être eu une rare chance d'être élue, en fait. Mais bon, on a envoyé la vidéo comme ça. Et puis, on nous dit que la candidature a été validée. Alors pour moi, ça a été un grand rêve. Et il tardait vraiment ces jours-là. Ok. Est-ce que tu as fait d'autres concours avant Talent de scène? Oui, j'ai fait un concours d'où j'ai gagné le deuxième prix. C'était en Aveyron, à Laverne. D'accord. Et donc, voilà, j'ai gagné le deuxième prix. Qu'est-ce que tu attends de ce concours aujourd'hui? Qu'est-ce que tu penses que ça peut t'apporter comme expérience? Déjà, je pense que ça peut me faire repérer, déjà, de un. Et puis, peut-être de me faire, je sais pas comment expliquer. Vas-y, t'as le temps, cherche tes mots, tranquille. Pour m'exprimer, en fait, devant plusieurs personnes, qui me connaissent pas, quoi. Ça me permet aussi de me faire un petit peu connaître. Très bien. On est quasiment à 3 minutes de ta descente de scène. Comment t'as trouvé ta prestation, toi? Tu t'as ressenti comment? Moi, en fait, ma prestation, c'est comme... elle est tout à fait classique, comme je la fais d'habitude. Mais après, la grande question que je me pose, qu'a ressenti le jury, qu'a ressenti le public? Et toi, qu'est-ce que t'as ressenti? Moi, j'ai ressenti déjà le public, les applaudissements, on voyait que c'était sincère ouais. et non pas forcé. Ouais. Donc, moi, ça m'a fait vachement plaisir. Ok. Est-ce que tu as un site internet ou un blog ou quelque chose où on peut te contacter? Oui, bien sûr. Alors, j'ai un blog, c'est http://magicslide.skyrock.com. Ok. Et mon autre blog, c'est magicslide.overblog.com. Okay. Au lieu de vous embêter, entre guillemets, à taper tout ça, vous pouvez carrément marquer Slide le magicien. Ok, super. Écoute, je te souhaite que du bonheur et puis à très vite. À très vite. Au revoir. Au revoir.